Amjago. Amjago, les amis. Donc là on va arriver vers le collège de Mtsamboro. Non, c'est grave, moi. Oh, c'est grave. Ah oui. Écoute-toi. Mtsahara, Irahara. Ah, babu wanyon, this is. Leom to zona parin van. What woka rule? Woka rule ah. Wawa rule wando. Wongjarna trenje uyo. Wono trenje uyo witwa. Wongjava. Safkyo wongjava wo. Sona wo asurenge place tun. Wasirio wando. Capoca des dios, dios parent. Hey, it's taxi. Ah, maure van bakav taxi nyengi bab. Taxi sha, she's open. Tambodi. Taxi, chasse soif. Salam alaikum, ceux qui sont là. Salam alaikum, salam alaikum.
ou couture le téléphone ou changane. Pousna téléphone, on est à tout ça. Et quand on pousse notre téléphone, on va pas tout ça. À tout pas tout ça. Si tu me roules. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé depuis quand j'ai le permis. Depuis que tu n'avais pas le permis, j'avais le permis. J'ai tous les permis sauf le bus. L'ami. Et ça depuis 2004, frère. Je sais pas si en 2004 tu avais le permis. Salam alaikum. Donc, on est à Tsangambwa, les amis. Tu vas aller? Tsangambwa. Chicoli, je suis déjà passé en immersion, hein, les amis. Tsangambwa, Tsangawa, wouhou! Non, wow. Comme on avance, soyez les wagnons, ça. Oui. Wow, roulez-vous les marots, toi, vinga, wadi. Toi, vinga, ambulance.
Mbanya oh, tu dis téléphoné oh. Antoine, il y a un malatinta, tu as pris le téléphone. Et Malala Mbani, il a une guerre, moi, pour bien. Amour du bas des 30. Parce qu'elle va tirer les 25. Des 30, des 30. Bako quoi, va, c'est quoi, vina moi, des. Ah, je suis à 50 km/h là. Oui. Ah. Bah quoi là, t'as moi, je m'en vais. Pour rouler. Moi, on se fait exprès à tenir. Fanya tout que tu as, on a trois sous, on a un. Fanya que tu as. Ah, moi. Bah quoi, m'en vais, bah quoi, on y va, on va, on va. Ouais, soif, on a d'abord, tu vas soif, on y ombe, soif. Hi. Vous en avez un ombe, qui est? Ça bouge à d'ici. C'est elle, on te va s'arrêter. Ça a 40 km heure, on y a, oui. Parce qu'on a un village, je suis à d'ici. Ça bouge, mon ami. On va vivre au village, ça. On va vivre caméra en bas. Ah. Bah, pour si nyombe, soif, ici, en bas. Oh, on me voit les robes sous les vêtements, yawan. Afin de rendre les nids. Oh, non, voit trop vos soif par une ban. Voit vos sous les soif sous azao. Va nous courir de la routine, nous faisons y être ni moi. Vous c'est n'importe les bons les sous, nous gagnons moins 50 km. Oui, ah oui. Oh, non, me dis ça. Je suis très heureux. Moi, je suis très heureux de vous avoir dit que vous avez 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 dit que ah, où les en a raison, mais avant nous, centre-ville, man. Van la 50, man. Van de la Kalasimou, yani, vitesse à Miaoli à Kanaï, où les Van de Kalasimou à rouler carte. N'est-ce que les malavoun, où les d'un rôle, où les maravins, tu avais dit moi, dit. Donc, Bandaboua, on arrive à Bandaboua. Jésus, on a tout compris, franchement. Jésus, bravo. Jésus, Wanyawe. Aïe. Mbakone kamp kafanya tasihun. Wadu takaje mbako de la route tini au tini. Allo tumbelo. Tu vois, tu vois, mais au Congo, mon abahano, on va ouvrir notre paravire, car tu comme un bouchon mégi.
Be was a leo topara. Topara mbawao. Was gare harar in alpare. Was gare kamio har in alpare on das guevan waji. Watongu softit bandabwa, jana, vanu gari la kaskamoro, minibus ya kaskamoro devan. De ma zaitola. Dombe ikavanu van ikakamban jana bisi keski moro de van wa mona wa gush wa ikai ski moro wa kama ini chauffeur a roulé ta wa ono motera ski moro azungu hanze ndo urbali kakavinga na zone dokuna goro wa jau wa mazofera hunu chauffeur poaluru. As gare camion la harar in alpari. Ashu kia na sugu vanu aje brushit. Ata le rato malizao maza akre ganga la busho. Awaira afikira, ay, vale camion la ngutsi gare harar in alpari. Bui, haraka na alto. Maza le. Maza le akre busho la 1 kilometre. Namgale wa uzuri pare mbao helo watu wa ruleo. Ambao wanyao wa shao vandreo oho, opozeo, wasuja ilinyi blanche ngale on. Mwan. Wasuja uzuri, watu uja uzuri ni blanche. Tamu wasidi karibu na wane weja ilinyi blanche. Paka wado tsukume. Paka wado tsukume unjenga maju. Srogo amba watu ando bushino ando pasio permisa oo washe unu. Ayo hali watu wa kufambe. Tujua amba vana sama nisikirufanishia. Hali ya kufanishia. Tujua amba vana sama nu. Mtuwa watu ando bushino lalo fea permisa ulo wa moja unu. Esuke rekonversion yo jofanishia au ke jofanishia tine. Tusujwa. Basibanu mavare ya tuwa enu mavare hunu. Yao kaya jiu. Yo kaji yo kaji utidi ha trotoari mabare atunwa totoyo dio avo uvandi ya goshi bavo yo katsojwa tinwa trotoari bavo ambatwa paraviro uzuri amtsule wata ojo mare bani enu sikirita tsitose ankid manaka lazumtwa moyeshi una tsitose ankid bemtwa tsonja masera. Nekamtu wa speaker yangu ufu, mtu wa tofisi ya masera hunu, kia? Swaf, halo tu mbelo tu. Zumo nye le zami, zumo nye. Smona kamon, kutzgari ya uzuri. O mwene kaku... Kusina plasi ya uu zigari. Zite droa. Be asu zigari asu disha kyo de poisson. Mwono, namgalene dikape wa jowa. Namgalene dikape wa jowa. Mwono, koman se dangere. Vous avez vu a gauche la? Koman se dangere. Ya pa trottoir. Yo de chuna kon wambeni maurevanu. Tujomba za wapu tsuvinga vi. Osuru wamba vina tsuvinga ta wanda. Zota ambu. Ziarabuzi ngari ziarabuzi. Dewa plasi yu gari wa. Sebo. Basi bawa hae basi. Adenambe.
Bon. Mono handicapé ou l'amba à se rouler har-har dans le pari. Naïe, je tue, yo dangereux. Yo déjà, tu as tiré, on voit. En bas, maure, tu vas nous faire la zimou, tu de trottoir. Aïe, tio. Pon ya djali, tio. On a fait un. Ah, ok. Ponya djali tio, ponya djali. Inde ponya djali. Tio, oui. 1914-1918. Hein, sonne, sonne, sonne. Sonne. Quand m'as fait une moi? Bonjour, ma walira. Hey. Oh. Ma varia holo. Wana damwa sroule n'importe comment. Hey. Oh. Bon bako, oui. Watu aishonro. Watu aishonro anya gavu sabi. Watu anya wawo yo na hiyo. Hey, hey, yo ta sofi. Yari mtu militera morde wa mida ketu manama zawa siri zoya maondo militera. Bebuka zoya maondo. Amani ae. Ay, 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 ay. C'est pas possible. Bon, quelle est mon roule? Bouyouni, mesdames et messieurs, bouyouni. Je descends là. Tu vois que je suis à Bouyouni là. J'ai dépassé Doumanié, je suis à Bouyouni là, les amis. Bon, vira bako.
Jeje watu wangu walio wabo washabasa Arnai Live, jeje mwafete. Donc on va entrer à Longoni. N'en partagez les voix, toi, n'en partagez. Ne kamu ono amba kaisinarezo yose normal. Ne kamu ono amba isena na urame. Y a pas beaucoup de réseaux à Mayotte, vous le savez. Hein. Donc à chaque sortie de village, la connexion sera floue. On n'aura pas de connexion parce que ça capte pas. C'est tout simplement pour cette raison, les amis. Donc il faut être un petit peu patient. Soula, je ne peux pas te prendre sur le live, Soula. Sois haut ! Longoni, les amis. Donc pour l'instant ça roule bien, ça roule très bien même. Longoni. N'en partagez là, il voit toi, on en partage, on en partage. Tini, busile à Katula Moro, squile. Yora aya babo yo. Yo. Yo raha ya babo tu trophée, raha ka ito tolo, raha ya babo trophée tu yo. Ok ya? Yo trophée, il est ce qui vale 6 ans, 10 ans, il est ce qui vale kam. Kato ja ja ito avale. Ah! Il est ce qui tu vale décoration tu vale. Je para tu vale archive. Wasu benzar garde archive. Archive zama ondo. Salam alaikum ceux qui arrivent sur le live, salam alaikum. N'en partagez point info route, n'en partagez pio. N'en partagez par autre appareil, Zabar Zamabari, Manawat Kalo, dis ça. Pare nous, holé au moins, chez moi. Djema aussi, Djema. Ouattaya, ma barim, tu paras kamban. En batini, Léo, il y a pareni. Pour y aller à Longoni, il est allé, madame Siona, le port de Longoni.
ici, il y a des travaux à gauche, à droite, là, vous avez vu, il y a des travaux, ils vont faire... ils vont construire quelque chose là, mais je sais pas ce qui va être construit. Le rond-point du port de Longoni. Là, on a le port en allant à gauche. Voilà la perception des routes. Les routes qui sont un petit peu bidouillées. Hein. Vous allez voir que sur les routes, hein, c'est pas désenrobé en totalité. Hein. C'est de la bidouille. Il y a un trou, on met un petit peu de sable, on met un petit peu de gravier. Parfois même c'est du béton, on va trouver du béton hein, sur la route. Donc, bon, ça c'est Mayotte. Hein. Définition, on fait tout et on fait du n'importe quoi. Alors, on commence à attaquer Kungu. D'accord, on n'y est pas encore, mais on commence à attaquer le but du sujet, Kungu. Allez, n'en partagez pas, on n'en partagez pas info route. Non, non, il y a un village avant Kungu. Je dis de bêtises. On rentre dans la commune de Kungu quand même. Depuis Longoni, on était déjà dans la commune de Kungu. Donc ici, c'est Kangani. Kangani actuellement. Kangani. C'est tout petit, hein. Linikanga Kweli. Donc on commence à s'approcher de Kungu. Vous voyez la circulation reste un petit peu concentrée et très fluide. Les endroits propices de bouchons. Hein, donc
non, mais pourquoi je parle de Kungu, moi? Alors qu'avant Kungu, il y a d'autres villages. Il y a deux villages avant Kungu. Ah là 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 là! Alors ici, il y a des travaux. Rien de particulier. Ça dépasse n'importe comment. Après ils disent ah, ah, on nous a heurté. Donc Tevani, si je me trompe pas. Tevani. Donc on vient de dépasser Tevani. Et enfin le Bourbier qui arrive, le Bourbier. Là, d'ici là-bas, c'est le Bourbier. Kungu. Alors ça roule, c'est toujours, c'est fluide, hein. La circulation est fluide. Ton clignotant, il n'y a pas de clignotant lui là. C'est comme j'ai dit, les taxis, c'est quoi là, les taxis Mabawa là. Il y en a, ils roulent n'importe comment aussi. Alors, ici, le taxi qui est en train de décharger là. Du coup, c'est ça, hein, comme j'ai dit. Vu qu'on n'a pas beaucoup de trottoirs disponibles là où se garer, ben les taxis des fois se garent n'importe comment. Voilà, ça c'est un taxi qui bloque devant. Thank you.
Donc ça roule bien les amis. Il n'y a aucun souci pour l'instant. Hein. C'est une semaine neutre. Ça roule parfaitement. Alors, ils sont en train de faire des travaux ici. Qu'est-ce qui va venir ici? Je ne sais pas. Donc, on s'approche tranquillement de Magicabo. Regardez les déchets sur les côtés aussi. Hein. C'est important. Magicabo, Magicabo, Kweli Mayaji, Magicabo, Magicabo, Magicabo. Magicabo les amis, Magicabo Koropa. Bako, tsovire au tsovira au kutsovira. Ah, mabare anu ya wolo bako. Kamlishi mwafanya mabare anu maure vanu, kamlishi. Kamlishi même si mes gens m'agarent, ma barre est gagara. Parce que tu parles la malavun. Tu parles la malavun, tu haïr. Business nyingi zahala business. Bon, ça roule mieux les amis, ça roule mieux, ça roule bien. Donc jusqu'ici parfaitement. Donc on s'apprête à rentrer à Magicabo Lamia. Magicabo Lamia. Ça commence à ressembler à quelque chose ici, il y a moins de déchets. Les déchets qui traînaient, qui ont été ramassés. Alors ici à gauche aussi, il y a
un dépôt, il y a un dépôt de déchets ici aussi. Ah, on voit les taxis motos là, vous voyez. Tout ça, taxi moto, tout ça. C'est pas en règle tout ça. Je sais pas comment ils font pour contrôler ça. Hein. Mais c'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel. Il y a plein de taxis moto ici. Il y a plein de taxis clandestins aussi. Mayotte, c'est le foutoir. C'est le foutoir de ça. Alors, il faut qu'il y ait plus de contrôle. Je le dis car c'est vrai. Il y en a partout. Et il n'y a aucun décret qui autorise un taxi moto à Mayotte. Et il y en a, c'est carrément des Africains qui font les taximans en moto et tout ça. Et c'est pas autorisé. Il n'y a jamais eu. Il n'y en a pas. Et il y en a plein à Mayotte en fait. Donc, en quelque sorte, c'est les taximans qu'on est en train de taper dans les doigts, quoi. Leur dû, ben, ils ont pas de dû. Hé, Kinyota! Ah! Si je vois le permis, ça. Bon, là on commence à rentrer dans le bouchon, mais le bouchon est fluide quand même. Hein. Ah non, je me suis trompé. Donc ici, à cette hauteur-là, le bouchon. Ah, bah oui. Donc ici, sortie la sortie Magicavo Lamir. Salam alaikum wa tukufu wa hayri ma fete. Oui, on a un gars, sauf que ne touche pas ma caisse. Touche pas ma caisse. Ah, un gars. Un gars, on touche pas ma caisse. Je viens de le dire, les amis. Donc j'aurais dit encore, ici on est à la sortie Magicavo Lamir, Magicavo Lamir, direction Kaweni. Donc après on va attaquer Kaweni là. Ah oui, c'est pas le bouchon, c'est le bordel maintenant là. Donc vous voyez ce que les Maorais vivent tous les jours, ceux qui partent du boulot, ils viennent, il y en a, ils se lèvent à 3h du mat, hein. 3h du mat pour prendre la route. Et arriver quand même ici, ils tombent sur quelques bouchons. Hein. Certains tombent sur quelques bouchons. Jusqu'à 4h du mat ou 5h, ça doit bien rouler. Mais après c'est mort.
donc la position de Mayotte première à droite. Si vous voyez ici Mayotte première, c'est ça sera juste à ma droite là, au croisement, l'établissement de Mayotte première. Non, bonjour, Farantahoule, Namgale, là c'est caillassé chez nous, il y a du caillasse ici là, et sur les bords de route. Farantahoule, ne kawa kaisse namnye, wanyato otia ma balayeuse wa hundu ya ma bari, de wa sadoun, ah, vous tâche tout moi, j'appare nalkane jifu, nalkane pozolani, ou toujours ma frère wa wo, gade ou reye, ou remem nya hotena, yo kaitoa te tachougoul. Ah, on va quoi, j'ai du soif, bah. Marivan. Ah, j'ai du soif, ma varika est si chitou. Ah, ya. Ramonga est sécurité, cap si chitou. Cap tâche, tu. Quoi que la main, tu dois te faire ma onde, tu. Quoi que la main, tu dois te faire ma onde, tu dois te faire ma onde. Oh, oui. J'ai. Encore ça va mieux, ça c'est un peu fluide hein. Mais d'habitude ça reste bloqué, on bloque, mais là c'est bien, là c'est pas mal. On est dans l'école de la patience ici à Mayotte hein. Non. Ah, c'est le bordel, ouais. Non, j'appelle pas ça comme ça. Ah, moi c'est l'école de la patience plutôt. Ah oui, l'école de la patience, mais c'est le bordel. Regardez nos trottoirs là, est-ce que c'est normal? Non. Mais c'est pas normal là. Là ici c'est bien. Mais l'autre côté c'est pourri. On prend le trottoir de Kaweni. Sortie Kaweni jusqu'à Mamoudzou. Le trottoir là. Mais les handicapés ne peuvent pas passer là. Non. Ils passent sur la route. C'est dangereux, hein. C'est une volonté politique, je pense. Hein. On n'a rien foutre. Mais là, c'est pas possible. Hein. Ah là là, pourtant c'est un pays très très jeune et qui a le potentiel. Hein. Oui. Il y a la richesse humaine ici, il y a la richesse aussi, mais je sais pas. Des magouilles, déjà des magouilles. Ah d'accord. Des magouilles, ah oui. Mon argent, c'est ça ce que. Ouais. Oui oui. Comme partout d'ailleurs, mais. Ici, Mayotte, c'est le département le plus doté au niveau subvention. J'ai pas vu. Mayotte a plus de subventions qu'à Paris. Ici à Mayotte, on a plus de subventions qu'à Paris. Je sais pas. Oui. Là, j'attaque ma quatrième année ici. Rien de bien, hein, alors qu'on parle de subventions, on parle d'argent de l'État, on parle de ceci. Il n'y a rien. C'est. Eh oui. Je suis arrivé ici, on m'a dit on va construire des gymnases ici, des gymnases là. J'ai rien vu du tout. J'ai vu des plateaux qui ont été soi-disant construits. Mais qui n'est. Excuse-moi. Oui, mais il faut dire. C'est la vérité. Hein. Je suis un peu surpris, quoi. On construit pas un gymnase en 4 ans, quand même. C'est vrai.
c'est une volonté, on n'a pas envie, puis c'est tout. Mm-hmm. C'est triste, hein? Ah oui, c'est triste, oui. Alors qu'on a, on a une jeunesse quand même. Il y a des gens compétents ici, j'ai vu. Eh oui, il y a des jeunes compétents, ils sont très compétents. J'ai vu. Moi, je suis là, je suis entraîneur de basket. J'ai fait pratiquement toute l'île. Hein. J'ai rencontré des gens exceptionnels, compétents, mais je sais pas comment on les utilise, quoi. Eh oui. Ça, c'est des questions. Regardez, là, on rentre dans la commune de Mamoudzou. Regardez le bordel que c'est. Non, mais c'est ça que je me dis chez moi. Qu'est-ce qui se passe chez moi, là? Je bouge 17 ans, je reviens, après c'est le foutoir. Hein. Vous étiez en métropole ou... Oui. Vous étiez où en métropole? Je suis à Toulouse, je suis toujours. À Toulouse, toujours à Toulouse. Je suis toujours. Ah d'accord. Mais là je suis... La ville rose. Ouais, petit séjour pour bien se rafraîchir. dans le bordel, moi je dis petit séjour dans le bordel parce que là... Ouais, le cerveau est inquiet là de tout ce merdier là. Mais faut rester patient. Ouais. Faut rester patient. En fait, pour vivre ici, faut pas penser. Ouais, faut rester patient. Faut foncer comme un mouton. Ouais. Faut pas calculer. Faut pas connaître les règles. Tiens, on parle de Toulouse là. J'ai joué contre Toulouse il y a 2 semaines là, à Paris. Mm-hmm. Du basket. Championnat de France National 3, c'est Toulouse qui l'a remporté d'ailleurs. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est une belle équipe de basket en National 3 qui monte en National 2 là. Mm-hmm. J'ai amené le champion de Mayotte là-bas et puis on a fait contre Toulouse. Une grande équipe. Ah la ville rouge. Non mais c'est bien là-bas. Moi j'aime bien. Puis dans le sud, hein. Mesdames et messieurs, Kaweni, Kaweni. Vous êtes en direct, là? Les motos, ça roule n'importe comment là. Ah, ici tu fais pas attention là, ils se tapent dedans et problème après. Ce qui crée les bouchons aussi ici, c'est les motos, les taxis motos, parce qu'il y a des taxis motos, ça. Ah oui. Ça, c'est jamais autorisé, ça. Mais tout le monde le sait, mais le problème, tout le monde le prend aussi. Donc... Ouais. Oui, mais après, c'est les taximans qui sont impactés. Hein. Oui, bien sûr. Ils n'ont pas de... C'est dommage, hein. Oui. Vous êtes où à Mayotte? Vous êtes à Mamoudzou? Vous êtes où dans le sud? Je suis en Tsamboro. Tsamboro? Ok. Moi je suis à la petite terre. Je suis là depuis 3 ans seulement. 3 ans? J'ai fait le sens inverse. J'ai fait la métropole pour vivre ici. Mmh. Alors, l'expertise, vous pouvez vivre plus longtemps ici là? Oui, si tu ne te prends pas la tête, tu peux vivre
si tu n'écoutes pas tout ce qui est autour, si tu n'écoutes pas les infos. Mais bon, si on ne t'agresse pas physiquement, non, etc. Non, etc. Oui, oui, donc il y a beaucoup de paramètres. Mais encore une fois, ce qui se passe ici, bon, c'est parce que c'est une petite île. Hein, c'est moins que ce qui se passe à Paris tous les jours. Un exemple. Oui, oui, oui. Tu vois, c'est moins. À Paris, c'est pratiquement toutes les minutes que tu te fais attaquer. Ok. Oui, oui, oui. Bon, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai habité dans les Yvelines, hein, 78. Bon, tu sais. Ouais, ouais, je vois comment c'est. Là. Ouais, donc, les gens arrivent à vivre. Sauf qu'ici, c'est toujours amplifié, quoi. Amplifié et augmenté, voilà. Si tu... Moi, je suis entraîneur de basket, je suis venu que pour le basket. J'entraîne le basket, je suis professionnel. Là, je suis à l'abattoir. Bon, je fais ce que j'ai à faire. Je rentre à la maison. Voilà. Et quand je viens à petite terre, plus souvent, je ne viens pas en voiture. Enfin, à la grande terre, je ne viens pas en voiture. Je veux pas le... Oh! Ça dépasse n'importe quoi. Vous voyez le moto? Oui, il vient de débarquer. La marque, là. C'est... Et puis, lui non plus, il ne sert pas. C'est dangereux ici, hein. C'est très très dangereux, oui. Il n'y a pas de trottoir. Obligé de s'arrêter là. C'est comme ça, hein. Eh oui. Mais je pensais que c'était encore un moment quand même. Hein. Bon, ouais. Ah, il faut profiter, il faut profiter. Et puis la vie ici, c'est au ralenti quand même. Hein. On n'est pas bousculé, je veux dire. Qu'est-ce qu'il fout? Ça, c'est les Africains là. Ça, c'est les Africains. Les mototaxis là, je sais pas. Ils n'ont pas de permis. Je sais pas ce qu'ils foutent avec ça là. Et oui, hélas. Et voilà. Là, normalement, ici, à Mamoudzou, ça devrait être beau. Oui, un jour peut-être, je vais descendre là. Oui. Donc, je vous remercie. Oui. Moi, je m'appelle Amada. Oui, enchanté. Bon courage. Hein. Merci. Oui. Portez-vous, hein. Merci. Oui, hein. Merci à vous. Alors, Mamoudzou, les amis, j'avais un invité à bord. C'est obligé un petit peu de discuter un petit peu. Mamoudzou, là où il devait avoir la splendeur. Mais c'est le foutoir. Toujours le foutoir. Pas pourquoi ils mettent pas des trottoirs convenables, des trottoirs en terre là. Ouais, franchement, Mayotte, il y a trop d'abus là, trop d'abus. C'est un manque de contrôle aussi, hein. C'est délaissé, tout le monde fait ce qu'il veut, on fait ce qu'on veut ici, hein.
MJC. Là, on se dirige vers Cavani, Mtsapere, Passmaïti. Oh putain, ça schlingue ici là. Salut les amis, vous allez bien? Alors, qui c'est qui est à Mamoudzou, là, les amis? Qui c'est qui est dans le coin, là? C'est quoi le rapport de quoi? Formule bien ta question, s'il te plaît. Qu'on bifurque à Mtsapere là pour sortir de l'autre côté. Camille, me formule bien ta question s'il te plaît. Tu me dis c'est quoi le rapport, mais sur quoi? Bon, qu'est-ce qu'il fait lui?
Allez-y, madame. Ah, d'accord, ok. Ok, ok, quand même. Alors, donc là, on traverse Mtsapéri. Donc pour ceux qui veulent avancer très vite, il faut couper par Mtsapéri quand vous prenez la route pour aller vers Passmaïti, au lieu de passer sur le long de la mer et passer la route que je viens de passer là, vous allez sortir au plus vite au niveau du rond-point pour aller à Passmaïti. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Il y en a ici, j'ai l'impression, ils n'ont pas le permis. Ils n'ont pas le permis, franchement. Ils n'ont pas le permis ici. Certaines personnes, ils n'ont pas le permis. Ça craint, hein? Donc ici on prend direction Bandélé, Sada. Passam. Ah, je vais jusqu'à où? Je fais le point info route pour savoir, voilà, pour donner le point.
lui, il s'arrête là, normal. Pas de warning, le vieux pépé. Oh là là. Allez, on va faire un tour à Tsunzu là-bas. Pas Sam Tingoni, on va faire d'abord un petit tour à Tsunzu. Salut Billy. Lui, il est en t-shirt, rien à cirer. Donc, Tsunzu, si je me trompe pas, normalement c'est ça. Bien sûr, tu vois, il y a le parking là-bas. Pourquoi tu peux pas te garer là, toi, avec ta moto, au lieu de te garer là? Tu vois, c'est ça qui fait mal au crâne ici, là. C'est pas parce que tu as une moto que tu dois te garer n'importe comment. Hein. N'importe quoi. Aujourd'hui, je vous amène, on fait le tour, les amis, on fait le tour. Ah, ils ont bien marqué Nid Pool. Hein. Ça me fait rire. Nid Pool. Eh ben, les Nid Pool, ça se répare. Eh oui, quand il y a des nids sur la route, là, ça se répare tout ça. Hein. C'est en arrêt de mettre un panneau et puis mettre Nid Pool. Hein. Les routes, elles doivent se reconstruire. Donc au Tsunzu 2, on va faire un petit demi-tour ici, arriver en haut. Chikoni, je suis déjà passé, l'ami. Il y a une immersion de Chikoni complet sur la page, tu peux aller voir. Et aujourd'hui, j'ai un autre itinéraire.
Kotsunzu. Essaye de faire demi-tour là. Ça date pas de longtemps, ça date de 2 semaines ou 3 semaines. 3 semaines plutôt. C'est récent. Hein. Va voir, tu tapes Chicony, Chicony immersion et tu vas tomber dessus. Donc Chicony, il n'y aura pas d'immersion 2, car les immersions 2, je fais que les grandes villes, par exemple Sada. Sada, j'ai fait 2 immersions parce que c'est grand. Mais presque la moitié des villages à Mayotte, vous pouvez les trouver sur les lives, sur la page, pour ceux qui sont intéressés. Je marche dans les centres-villes, je filme tout quoi. Donc on sort de Tsundu 2. Donc moi là où ça me fait vraiment rire, cette portion de route là, ils ont mis un panneau nid de poule. Là, le panneau il est là, là, ils ont mis nid de poule sur l'autre côté. Il y a un trou ici, mais un trou de pas possible. Au lieu de mettre un nid de poule, un panneau là, faut réparer la route, tout simplement. Non, je crois que Chicony, j'ai fait 2 fois. Hein. Il me semble que j'ai fait 2 fois, il me semble. Non, Chicony, c'est grand, mais ça se fait en 2. En 2 heures, j'ai bouclé Chicony, hein, à pied, en passant dans les petites rues, etc. Ça, j'ai fait 2 heures, j'ai quadrillé partout, Chicony. Il faut prendre ce qu'il y a, les amis, il faut pas demander. Hein. Ici, il faut pas faire des commandes. Et si vous appréciez juste ce que je vous diffuse, parce que c'est beaucoup d'énergie, je ne peux pas être partout à la fois. Essayons un petit peu de... Non. Moi toujours comme ça, comment ça? Elle croit que c'est un taxi. Hein. Ouais, un taxi toi là. En bas, moi toujours comme ça, moi toujours comme ça. On y joue, moi. Ah. On me souhaite la bouchonne. En bas, moi toujours comme ça, moi toujours comme ça, moi toujours comme ça. Moi, j'en ai au moins. Suivez-le, ça. Ça va, vous m'oublie. Station Total, Tsundu 1. Ah ouais, bah j'ai les gars connus, je suis un gars. Toujours en même temps, moi toujours comme ça. Moi toujours comme ça. Bref, vite.
Bassement Haïti. Kubiri. Ah, on me trouve le parrain, nous faisons le parrain Lola. En tout cas, les Maorais, alhamdoulilah, les Maorais sont riches. Son ma gongwa 4x4, tawa zungu ne kashini para ma gongwa 4x4. Il y a des riches hein, chez nous. Hein. Voilà, voilà, tu t'arrêtes sans clignotant, hein? On s'arrête pas bien en plus, hein. Hey, garde-toi bien là. Bako bako, wanyan. Et voyez moi permis, moi, mou sparaïbi, moi. Permis, mou sparaïbi, moi. Ah, tu es clignotant, ça. Amola ou garé au zuri. Ah. Monon. Atena il a roué bicyclette, tu vois, Baku, mori, man, Baku. Ouadou, si j'en baille, tu baku, dis, ou allez, ça, ou si j'y tâche tout, dis, ton hao. On n'a rien de ni moi. Oh. Déjà, parrain, dangereux, ou à Swingana, ou à Swingana, tu as déjà les parrains. Tu as même pas tu as ton gosse à Van. Ah. Bon, attends, je vais. Ne carré zoïtala, ne camono, live, ya a flou, je vais avoir un capsule. Donc, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, le live sera actif aux endroits où il y aura du réseau quoi. Passer vers Kwambani, Kwambani. Grâce à Mirongo et Sinjuani, Kwambani, Yoti Kwambani, Kwambani. Voilà, une bonne conductrice, on met son clignotant. On indique bien.
Les amis, ceux qui viennent de Combani et qui descendent à Passmaïti, il faut faire attention au carrefour en V de Passmaïti. Il y a un camion qui est tombé en panne, qui est en plein carrefour. Donc ceux qui roulent comme des fous là, calmez-vous, faites attention. Donc je répète, camion en panne au carrefour de Passmaïti, à la sortie de Passmaïti direction Combani. Il y a un camion qui est en panne là. Donc il a signalisé côté Passmaïti Combani, mais le côté Combani Passmaïti, c'est pas signalé. Donc faites attention. Donc ici, toujours, ça roule bien. Alors j'ai même oublié le nom de ce village-là. Là. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, les gars, vous pouvez tout simplement vous mettre dans l'autre côté là. C'est quoi ça là? Oh putain, vous l'avez vu lui? Vous avez vu la moto? J'ai entendu quelqu'un qui m'a appelé là. La moto, elle n'est pas passée loin. Ah, Vaibé, ouais, voilà. La babu, parin babu, nyombezini. Ah. Et toi, ou nyozi, comme c'est dans le colis. Votre héros m'a varé, n'a joué en bas, mais ça, j'ai parlé, voilà, ben, je fais un haze. En banquet, il y a des gens qui sont sur le droit de tout le monde. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire.